Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui eh bien, pour une petite vidéo sur Senseiya Awakening avant le grand live de ce soir où il y aura des cartes cadeaux à gagner, des t-shirts à gagner. Eh bien, là, on va parler de la mise à jour et on va également parler de 2-3 petites choses par rapport au fameux live de ce soir très important. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Donc on va faire le tour de la mise à jour. Avant tout, eh bien, je vais vous parler du live de ce soir où il y aura donc les deux t-shirts à gagner et il y aura également 5 cartes Huawei de 10€ à gagner. Dont une carte que je vais mettre en jeu dès le départ. Tout le monde pourra facilement participer. J'ai voulu faire un petit truc différent. J'ai vu l'idée, il me semble, un peu chez Cosmo. Et j'ai repris l'idée, mais en la corsant un petit peu, puisque je trouvais ça cool. Il va y avoir un code que je vais afficher sur l'overlay à un moment donné. Mais le code va être, justement, codé. Il va falloir le déchiffrer pour pouvoir aller après sur la galerie et le rentrer, tout simplement. Ce qui va ne pas se jouer, du coup, sur la vitesse de réponse ou quoi que ce soit pour ce code-là, mais et bien sur la vitesse de réflexion, sur également le fait d'aller rentrer le code tranquillement et tout ça. Pour ce faire, et bien pour aussi récompenser ceux qui y regardent toutes les vidéos, qui seront sur le live, qui auront un avantage, et bien je vais vous donner un indice tout simplement. Hop, l'indice s'affiche juste en dessous de moi à l'heure actuelle. A vaut 1, B vaut 2, T vaut 20, Z vaut 26. Voilà, comme ça vous avez un petit indice avant d'être sur le live et que j'affiche exactement le codage du jeu, du code en tout cas, et puis bonne chance à toutes les personnes qui feront ce petit jeu là. Les 4 autres codes de la soirée seront offerts peut-être beaucoup plus simplement, mais j'avais envie de faire un petit truc différent, et si cette idée là vous plaît, eh bien j'essaierai au fur et à mesure de trouver des petits trucs à faire pour gagner le code, et pour que ce soit un petit peu différent de juste répondre à une question, et puis le premier ou au tirage au sort remporte le code. Ceci étant fait, on va passer autour de la mise à jour. Donc la bannière avec les God Claws, vous récupérez à Aeolia GC gratuitement et puis après vous l'aurez dans les poules. On va revenir aux poules un petit peu plus tard. Hop, donc Aeolia qui est disponible. Se connecter pour obtenir 20 gemmes et un skill tome du 9 au 14. Donc ça c'est plutôt cool, vraiment, hein, ça fait des gemmes gratuites directement et on prend. Le Lucky Cat qui est là, on le savait. Chevalier S au hasard gratuit avec 200 tirages, le doublement du premier achat est réinitialisé. Donc deux infos importantes. Le S gratuit, ça ne va pas être 100 S, ça va être dès que vous atteignez le palier de 200 pool, eh bien vous aurez directement un S du pool de base. Là par exemple, vous n'aurez pas Aeolia sur le S des 200, mais n'importe quel S du pool de base. Donc ça donne une petite chance d'avoir un S du pool en plus. À savoir qu'il y a quand même du cher UGC, il y a quand même du Shun God Claws également dans le pool. Ça peut être plutôt sympa. Et puis le retour des coupons doubles, ça on va y revenir aussi. Évaluer le jeu sur l'App Store, ok. Sur le Google, ok. Voter pour le commentary, on va pas revenir dessus. On en a assez parlé. Déjà, à la page d'accueil, vous avez cette petite enveloppe où on récupère au fur et à mesure du temps, hein, et bien des récompenses fort intéressantes, et ça va juste se faire à force d'être sur le jeu. C'est-à-dire que, là vous voyez, hein, j'avais à peu près une heure d'attente sur cette enveloppe-là, au départ c'est une minute, après c'est 5, quelque chose comme ça, puis 30, une heure, au fur et à mesure le temps va augmenter, ce qui est normal. C'est pour forcer un petit peu le joueur à être sur le jeu, et je trouve ça plutôt sympathique. Juste en étant sur le jeu, vous avez des belles récompenses. Je vais essayer d'attendre que le counter soit terminé pour vous montrer ce qu'on peut récupérer à la fin de cette vidéo, si je peux. Ensuite, on a eu les récompenses. Donc, on a eu 300 diamants pour la maintenance. Le reste, c'est des récompenses classiques. Maintenant, je fais tout récupérer. On a eu également des shards de... je crois que c'est de chaque chaîne. J'ai malheureusement effacé le message directement quand je me suis connecté. Donc, bon, une connexion assez rentable et assez cool. Ça, c'est pour ce qui est visible directement ici. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà le Aeolia God Claws. Je l'ai récupéré vraiment en 5 minutes. 5 minutes sur le jeu, vous le récupérez. C'est juste pour dire, ils ne nous l'ont pas mis dans la boîte aux lettres.
Il y a un petit event de récupération, mais il est 100% free to play à dropper en tout cas. Et en 5 minutes, c'est fait. On va maintenant passer sur la barre d'event. Le trésor d'énigmes qui est revenu, donc tout simplement, eh bien, vous remplissez les différentes missions. En remplissant les différentes missions, vous débloquez des enveloppes avec des récompenses. Et puis une fois le portail, le puzzle plutôt, complètement débloqué, vous remportez le coffre. Le coffre qui vous donne quand même 10 shards de skill tome, des diamants et ce petit item que je ne sais plus ce que c'est. Le Lucky Cat qui est là, donc comme vous le voyez, je l'ai fait en off, hein, je ne l'ai pas fait pendant les vidéos ou les lives. Je suis à l'heure actuelle au palier des 500. J'ai actuellement 351 gemmes. Je n'ai plus de diamants, c'était volontaire. J'étais chercher le palier des 330 gemmes pour pouvoir invoquer un maximum la semaine prochaine avec l'arrivée de Fissus. Qui, clairement, même si je ne le jouerai peut-être pas au départ ou quoi au caisse, eh ben, je le veux dans la box pour pouvoir le monter, même si c'est à mon rythme, et pouvoir le monter. Donc, clairement, j'ai été chercher un maximum de gemmes pour aller le chercher. La version de l'horoscope, ça, on s'en fiche. Les ressources aussi, le reste, on s'en fiche. On a un petit onglet anniversaire avec pas mal de petits onglets qui pop à droite, à gauche, là. Par exemple, le pactole du lion, ça vous emmène ailleurs. Le trésor d'énigmes, ça vous envoie directement ici. En fait, c'est le menu anniversaire qui va vous regrouper toutes les petites missions qui se trouvent dans événements liés à l'anniversaire. L'événement va commencer, donc là on a par exemple voilà le 10, donc demain, on a la source aux vœux d'anniversaire qui commence, le coffre Skyfall qui lui commence également le 10, 100 millions de diamants qui commence le 11, et secouer les coffres à cadeaux qui commence le 12. Donc il y a une partie des events qui ne sont pas disponibles, mais on nous affiche clairement ce qu'il y a. C'est des events qui peuvent être très intéressants, alors ça fait pas spécialement énormément de contenu, mais ça fait des récompenses. On voulait que le jeu soit généreux pour ces 1 an. Pour le départ, je trouve que ça va. C'est plutôt très, très, très correct. Donc ça, c'est l'onglet anniversaire. Maintenant, on va passer au carnaval, donc qui nous rapporte aussi en partie à l'onglet anniversaire. Remise des dépenses totales. Période de l'événement du 9 au 30 septembre. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a dépensé depuis le départ. On récupère pas mal de gemmes. Là, bon, vous voyez, j'ai déjà dépensé jusqu'à 2000 USD dans le jeu. Donc à quoi ça correspond exactement? Eh ben, c'est les achats depuis le début, c'est les poules, c'est Huawei, c'est tout ça. Dans ces récompenses, j'ai quand même obtenu un skin d'Athéna que je n'avais pas, des gemmes hein, également. Donc en termes de gemmes, ils nous ont mis bien des shards de skill tome. J'ai récupéré le skin de Luna également, encore des gemmes, encore des shards de skill tome. Encore ici, encore là. Voilà, c'est plutôt, plutôt très, très, très généreux. Donc, clairement, il y a encore deux autres paliers au-dessus. Ce n'est pas du tout des paliers sur lesquels je vais aller, hein, pour ma part. Mais bah, les gros cash players, les gros, gros joueurs, les top 30 de tout ça, je pense qu'ils auront absolument tout débloqué. Et quand on voit qu'il y a quand même des très belles récompenses, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pack pluie rouge. Donc, ça, c'est la fameuse enveloppe. La fameuse enveloppe, eh bien, on a... en tout cas, les premières enveloppes. Après, je pense que ça va bloquer à 120 minutes à chaque fois. Et on a quand même donc les cakes anniversaires. C'est tout simplement ce qui vous permet de récupérer à Yulia, ça on va le voir un petit peu après aussi, des boîtes de fleurs avancées. Ensuite, on a de l'oricalque, une boîte rare de RC. Ensuite, à 30 minutes, on passe à 30 diamants, 2 cartes, etc. 60 minutes, c'est là où j'en suis, 50 diamants. Un trésor du sanctuaire et une gemme avancée. Puis derrière, à 120, on passera à 70 diamants. 5 pierres du Star Wheel, je crois. Et puis, 2 shards de skill tome. Donc après, si toutes les 120 minutes, on obtient 2 shards de skill tome, il y a de quoi se refaire pas mal de skill tome au fur et à mesure, quand même, avec tout ce qu'on peut récupérer à droite à gauche. Et j'avoue, regretter un petit peu mon investissement sur Shun God Close à l'heure actuelle, par rapport à Fissus, mais je le regrette pas par rapport au game, je le regrette par rapport au... à mon ressenti à la base sur la célébration, et puis ce que pour l'instant ils annoncent, ça on reviendra sur ce point-là en fin de vidéo. Recruter des camarades qui est toujours là, ok. La récompense d'anniversaire, connectez-vous une fois pendant la durée de l'événement, les fameuses 20 gemmes, 30 gâteaux d'anniversaire, donc c'est 50 pour récupérer le Aiolia, on vous en donne 30, et le fameux Skill Tome. La boutique d'échange d'anniversaire,
quand vous allez récupérer encore des gâteaux, eh bien tout simplement vous voyez que vous pourrez récupérer des shards de skill tome que je récupère tout de suite, des gemmes, donc 5 shards, 5 gemmes. Ensuite, quotidiennement, vous allez récupérer des verrous, des boîtes de fleurs, et de la poussière d'oricalque, et vous aviez un doublon avec les 50, voilà, il est là, de Aiolia. C'est le seul doublon qu'on peut récupérer d'Aiolia comme ça. C'est pas du tout la même célébration que sur la chinoise pour l'anniversaire. Eux pouvaient avoir des doublons gratuitement d'Aiolia, mais ils n'avaient pas le même système que nous. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Pour ça, il faudrait un joueur qui ait fait l'anniversaire de la chinoise vraiment, qui vous en parle. Moi, je ne l'ai pas fait, donc on ne va pas parler de quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. La fête d'anniversaire. Donc, vous vous connectez chaque jour, différentes récompenses, donc une boîte de mu. Sachant que j'ai 0 pièce du RC de mu, c'est plutôt cool. Vous avez une gemme tempo hein, qui vous permet d'invoquer sur le portail. Vous avez également carte de protection stellaire. Et ça, c'est l'objet mystérieux. Donc, l'objet mystérieux, chasseur de trésors du mois de septembre 2020. On reverra ça un peu plus tard dans le mois. Après, vous avez différentes missions. Donc, au jour 1, c'est le duel sacré. Enfin, le duel PVP qui s'est activé comme onglet avec les missions comme d'habitude. Toujours un petit peu de récompense. Il y a également, eh bien, en atteignant la division argent ou plus dans le duel galactique, bah, 5 cakes qui sont là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Puis, chaque jour, on débloquera un onglet de plus. L'éveil de l'armure divine participe 3 fois aux invocations à thème. Donc c'est tout simplement quand vous faites des pulls sur le portail, vous allez récupérer comme d'habitude eh bien, des récompenses. Là où je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas l'onglet lié à Aiolia si on l'augmente de récompenses et tout ça. Ça se discute, moi j'aurais aimé qu'ils le mettent puisqu'on doit le pull. Une fois on l'a gratuit mais derrière on doit le pull. J'aurais aimé qu'ils le mettent. Ça, c'est un petit point négatif, je trouve, mais il y a pire. Les coupons, la réinitialisation des coupons dans les dépenses totales, les connexions mensuelles qui sont revenues également. Non, c'est tout récupéré. Donc, c'est ceux du mois dernier. Non, 7 sur 10. Non, c'est bon, c'est ça. Donc, je ne me suis pas connecté pendant 2 jours dans le mois. Et à la fin, ça se termine à 26 jours pour avoir le skill tome. Donc, ça va. Comme d'habitude, il y a toujours une petite marge. C'est plutôt cool. Hop. Ensuite, on a la médaille de chevalier qui est toujours la même. Hop. Et bien sûr, on a le portail invocation. Je vais rejouer la cinématique parce que j'ai déjà été voir. La cinématique d'animation qui est la même que l'ami Tuto de Whisker a mis dans sa vidéo promotionnelle hein, en partie, et c'est plutôt cool. Là on revoit du coup, atteignez 200 poules pour obtenir une récompense, vous obtiendrez donc un S du portail en 200 poules. Ça se réinitialise à la fin de la bannière. Des bruits courts qu'on les aurait pas sur chaque portail, mais sur tout ce qui est rerun, ce genre de choses là, selon certaines personnes qui ont des bonnes... des bons contacts, on en a parlé pendant le live, donc à voir si effectivement c'est ça ou s'ils le mettent bien sur tous les portails, ça nous verrons un petit peu plus tard. On a eu également le refresh de la boutique d'étoiles, donc j'ai pris bien sûr l'écharpe de Skiltome, le reste pour l'instant je suis un petit peu à sec, hop, et on a fait à peu près le tour, il nous manque juste d'aller faire un petit tour dans le magasin, dans la boutique, donc les packs. Il n'y a pas réellement de pack vraiment impactant de l'anniversaire. Il y a des très bons packs. Le copain Furio en parle beaucoup mieux que moi par rapport au pack. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Il y a des packs intéressants, mais c'est plus du recyclage des packs existants. Pour un anniversaire, ils auraient pu faire quelque chose de complètement différent. Ils ne l'ont pas fait. Les coupons qui sont réinitialisés. Hein, donc, première recharge de coupons. Je vous rappelle qu'aujourd'hui est le dernier jour de cashback sur Huawei à 50%. Et que dès demain, vous aurez 30% de cashback. Et avec les coupons, ça fait toujours de l'argent en plus. On a fait du coup le tour de la mise à jour. Je vous ai parlé également du live avec le fait eh bien, des codes, des cadeaux et tout ça. Je vous réaffiche rapidement la façon de trouver le code d'un des 5 codes mis en jeu. Histoire d'être un petit peu plus joueur, on va dire. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce soir pour le live.
C'est le plus important. Il nous reste 1 minute 24. Donc pour voir l'enveloppe, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cut à la vidéo et je vous reprends dès que l'enveloppe est récupérable. Voilà, l'enveloppe est maintenant récupérable. Donc on va aller en cliquant dessus. Quand tu voudras bien. À récupérer. Une petite animation de récupération. Et on obtient 2 chartes de skill tome, 5 pierres du Star Wheel et 70 gemmes. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Pour aujourd'hui, tout est récupéré. Alors je ne sais pas si ça se réinitialise tous les jours, je crois. Mais en tout cas, là, pour aujourd'hui, j'ai fait. Eh bien, tout simplement en restant connecté 2 heures sur le jeu. Donc même en le laissant tourner à vide, hein, puisque j'étais en plein live avec l'ami McFury, eh bien, ça m'a fait mes connexions. Donc. Si c'est bien réinitialisé tous les jours, ça vaut vraiment le coup de passer 2 heures par jour à le faire, juste pour récupérer ces petites récompenses. Sur ce, comme je vous disais, je vous donne rendez-vous ce soir pour le live. On parlera des promos Huawei, je vous ferai gagner les t-shirts, les cartes, et puis on passera un bon moment sur le live, tout simplement, à farmer, découvrir un petit peu la mise à jour et prendre du plaisir. Pour moi, les 1 an commencent très très bien, donc on verra sur la longue durée des 3 semaines de l'anniversaire. Prenez soin de vous. Ciao.